baby. Nanette! Nanette! Viens ici! Nanette! Salvette! Garde-la toi si je te rattrape! Nanette! Je vais chercher un petit sucre à son pépé. Il n'y a rien à faire, elle s'est cabalée. C'est chaque fois ainsi quand elle est en chasse. J'ai plus de mal avec elle qu'avec tous mes prisonniers réunis. Va falloir que je me mette en chasse à mon tour. J'en suis quitte pour faire le tour des remparts. Alors les gars, ça va, tu vas, l'hiver, il est en forme. On verra ça, on aura fait 15 pots le toit des remparts. Et toi, Claude, le chevalier relax la plus hasante, ça va? Moi, je n'y comprends rien. Mardi dernier, j'avais perdu 2 kilos et ce matin, en pesant, je me suis aperçu que j'en avais repris 5. C'est à désespérer. Plus je grossis, plus je maigris. De caractère. Mais c'est l'âge qui veut ça, mon vieux. C'est pour ça que nous devons continuer notre culture physique et notre petit tour des remparts du mardi. Moi je veux bien, mais le plus terrible, c'est que ça me donne de l'appétit et qu'en rentrant, je te reprends 2 fois plus de poids que j'en avais perdu. Chaque mardi en Hauteville, dans notre automobile, nous venons en tenue légère. Et autour des vieux remparts, nous cavalons dardard, une heure entière. Il faut coûte que coûte, suer à grosses gouttes. Pour perdre un peu l'excédent du au poids des ans, notre âge nous a donné du poids et un peu de rondeur. Notre âge nous a surpris, mais pour retrouver la verdeur. Ici chaque semaine, nous tous on s'entraîne, oui on s'entraîne à perdre l'haine. Notre âge nous a donné du poids et un peu de rondeur. Notre âge nous a surpris, mais pour retrouver la perdre. Ici chaque semaine, nous on s'entraîne, oui, on s'entraîne à perdre l'air. Bon, maintenant, les gars, en route, qui vient, Claude? Non, vous partez toujours, je vous rattraperai facilement au passage. De toute façon, comme il court plus vite que moi, je suis toujours tout seul. Alors, pour que ça soit moins monotone, eh bien, je cours dans le sens opposé. Comme ça, je suis sûr au moins de les rencontrer. Une fois à chaque passeur. Ben ça alors, il y en a qui ne se gênent pas. Ça affirme. Ben s'ils m'auront vu, ils vont pas demander quand c'est que je reprends. Ben je vous dis qu'elle femme n'est plus à sécurité nulle part. Ni dans les gardes du casino, ni à mon plaisir, même pas sur les remparts et de boulot, c'est quand même plus pendu. Parlez-moi, si on cherche après l'évadé, eh ben, mis, je l'ai vu. Ah, un gros caniche noir à poil ras. Non, tout ras. Tout ras. Ah, oui. Et puis, ben grand, hein. Voilà. Oh, oui, on le nourrissait bien, ça se voit. Et parlez-moi, vous avez dû le croiser. Il vient de partir par là il y a une minute. Par là? Ah oui, mais il a dû se camoucher à vous voyant. Ça ne fait rien, s'il fait le tour des remparts, je finirai bien par le rencontrer. Oh. Pardon. Nénette! Nénette, et ben à qui qu'il n'a comme ça? Oh, le vrai corbeau, c'est des satyres qui sont évadés, il y a voyant gardien! Gardien! Vous n'avez pas vu le gardien de la prison? Oui. Il vient de partir par là il y a une minute. Par là, oui. Parce qu'il faut que je le voie, hein. Il y a 2 évadés qui viennent de s'échapper du palais de justice, là. On les a vus monter sur les remparts. Écoutez, restez là une minute. Oui. Si vous voyez quelqu'un, vous m'avertissez. Moi, je cours après le gardien. Oui. Eh ben, lui, à force de tourner comme ça, je vais finir par attraper le torticolis. Non, là, l'évadé, c'est sur ma ligne, Nénette. Seigneur, Marie-Joseph, protégez-moi. Pardon, Nénette.
Pardon. Ne me faites pas mal, surtout. Je sais tout, mais je vous jure sur la tête de femme belle-mère que je dirais rien. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma plininette, comme ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive, ma brave dame? Qu'est-ce que vous savez? Bah, c'est le gardien de prison puis le gendarme qui m'ont tout dit. Ah. Bah, ils cherchent après vous, monsieur Nénette. On les avait pas vus. Moi, vous savez, j'ai déjà du mal à voir mes jambes quand je cours. Non, puis moi, je prends les raccourcis, mais je passe derrière les buts pendant que les autres font le long tour. Mais je vais essayer de les rattraper. Ils ont peut-être une information importante pour vos journaux. Eh ben, lui, j'y comprends plus rien. La type au casseur, c'est l'évadé qui court après les gendarmes. C'est le monde à l'envers. Oh! Vous ne l'avez pas? Oui! Si! Oui! Il vient de partir par là tout courant. Et puis il a toute une bande, toute une grosse qui court après lui. Ah! Je m'en doutais. Elle est en chasse. Eh ben, mais je sais pas de quoi qu'on parlait. On fera rien du tout. Mais en attendant, là, ceux qui poursuivent, c'est qu'on cherchait. Les poursuivants de Nénette. Non, pas du tout, non. Non, ce sont de braves boulonnais qui font le tour des remparts tous les mardis matins pour garder leur ligne et perdre leur brioche. Non, cela, ils ne feront pas de mal à Nénette. Non. Non, ce n'est pas comme les sales cabots de la dernière fois qui lui ont refilé tout un assortiment de jeunes. Savez-vous bien, madame, que sur 4 jeunes, eh bien, c'est pas, j'avais un passé. Un danois, un canistoir et un chien pour policier. Ça, on ne peut pas l'accuser d'être raciste, ma nénette. En parlant de policier, il y a un gendarme qui voulait vous voir tout à l'heure. Tiens, Valbleu, il arrive, viens tout prendre. Ah, oula, ça va, collègue. Ah, vous voilà, gardien. Alors, madame vous a raconté que... Oui, même qu'on a bien rigolé avec Nénette. Ah, ça vous fait rigoler? Oui. Alors, deux de vos pensionnaires s'échappent du palais de justice, montent sur les remparts, s'amusent à jouer les zigotons, comme Zatopek ou Michel Zazie, et tout ce que vous trouvez à dire, vous, c'est Nénette, n'est-ce pas? Des évadés? Mais oui. Mais c'est pas possible, mais je les ai vus, comme je vous vois. Oui, ça... Mais ils sont... ils sont passés derrière. Voilà, venez, par là. Non, pas par là, de l'autre côté. Et vous, si vous voyez Nénette, attrapez-la ou sinon, moi je vous fais arrêter pour faux témoignage. Eh ben il est bon, petit homme. Il a fait casser sa chienne, puis ses prisonniers, puis ça récordait le fort. Mais je vous dis qu'une femme, elle est même plus à sécurité sur les remparts et de Boulogne. Si c'est pour les gangsters, c'est les satyres. Si c'est pour les satyres, c'est les gardiens de prison. Mais il n'y a plus moyen d'y être tranquille. Sauf si on vous évadait. Bien sûr, j'ai mieux mal allé parce qu'il me courait pour la fête. En attendant, vous allez toujours rentrer à la maison d'arrêt. Gardien, ouvrez-nous la porte, s'il vous plaît. Viens, Nénette. C'est bizarre, ça, j'ai rencontré personne. Pour moi, ils ont dû me faire une farce en se sauvant en douce. Je vais essayer de les rattraper. À tout à l'heure. Thank you.